Bonjour à tous les Breakers et bienvenue sur TGS Rockstar Club pour une nouvelle vidéo cette semaine avec, comme chaque jeudi, la vidéo des activités, promotions et bonus de la semaine sur GTA Online. Le résumé en un seul format de tout ce qu'il faut savoir sur cette semaine. Alors, comme d'habitude, si bien évidemment il y a des motifs ou des items rares à débloquer qui seront annoncés dans l'après-midi via Rockstar, évidemment je vous ferai la vidéo le vendredi matin, mais en ce moment il n'y en a pas, donc mais c'est le seul truc que je peux vous dire que en dehors de cette vidéo-là. Donc voilà, allez, on est parti avec cette semaine la course au prix, et cette semaine vous pourrez gagner la Oshii Rapide GT Classique à 885 000 GTA dollars sur legendarymotorsport.net. Donc comme d'habitude, vous vous rendez dans le menu interaction, salon auto de LS, défi du véhicule récompense, et vous devrez terminer dans le top 3 de 5 courses des épreuves de course de rue. Donc voilà, vous pouvez les faire les 3, les 5 aujourd'hui et gagner gratuitement cette Rapide GT Classique. Bonne chance à vous tous. Cette semaine en exposition au salon de l'auto de LS, vous aurez 3 nouveaux véhicules à laisser. Enfin, comme d'habitude, je dis 3 nouveaux, mais vous doutez bien que c'est pas 3 nouveaux, mais c'est 3 nouveaux véhicules chaque semaine, ça change chaque semaine. Et donc, comme chaque semaine, depuis maintenant 2-3 semaines, on sait que ces véhicules qui sont en exposition sont logiquement en promotion, donc on risque de les voir dans la vidéo en promotion. Donc vous pouvez, avant de les acheter en promotion, déjà vous pouvez les acheter là, comme je vous le dis chaque semaine, hein, en faisant carré, et si jamais ils vous intéressent, ou vous ne savez pas encore, vous pouvez les tester directement ici avant de les acheter. Petit rappel pour tous ceux qui sont abonnés au PS Plus et qui sont sur PlayStation 4 ou PlayStation 5, sachez qu'il vous reste jusqu'à dimanche pour récupérer les 1 million avec l'abonnement de PS Plus, hein, donc les 1 million de GTA dollars pour GTA Online. Vous pouvez récupérer une fois par mois. Si vous ne les avez pas récupérés, profitez-en parce que vous avez jusqu'à dimanche. Après, on passera à un nouveau mois où je ne sais pas encore s'il y aura d'ailleurs 1 million supplémentaire. Je vous tiendrai au courant de toute manière. On passe maintenant au casino, et cette semaine, le véhicule à gagner grâce à la roue du casino, c'est la Vapid Retinue, première du nom, à 615 000 GTA dollars sur soutenSanAndreasSuperAuto.com. Donc cette petite voiture, si vous appréciez son petit design, sachez que vous avez juste à tourner la roue derrière la voiture, tomber sur la bonne case et l'emporter gratuitement cette semaine. Donc profitez-en, bonne chance à vous tous. On passe aux promotions de la semaine et on démarre avec legendarymotorsport.net, où cette semaine la Lampadati 5000 est en promotion à 1 218 000 GTA dollars au lieu de 1 740 000. Sachez que je vous ai déjà fait une vidéo présentation custom et test de ce véhicule. Je vous mettrai le lien dans la description. Je l'ai fait en plus il n'y a pas très longtemps. Donc si jamais vous voulez un avis sur cette berline, donc c'est une berline hein, de luxe, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Voilà. On poursuit les promotions avec la Grothy Vision à 1 575 000 GTA dollars cette semaine au lieu de 2 250 000. C'est donc le deuxième véhicule hein, qui était sur au salon de LS en exposition avant la Lampadati, justement, qui était juste avant. Donc voilà, la preuve que maintenant tous les véhicules, au moins 3 véhicules par semaine en promotion, seront exposés au salon de Los Santos. On a ensuite une petite Grothy Cheetah classique qui fait bien plaisir à 605 500 GTA dollars au lieu de 865 000. On poursuit avec soutenSanAndreasSuperAuto.com, où cette semaine vous aurez la BF Weevil en promotion à 456 750 GTA dollars au lieu de 652 500. Donc voilà, ça c'était le troisième véhicule en exposition au salon de l'auto. On continue avec WarStockCashAndCarry.com, mais cette semaine le Tula est en promotion à 2 723 000 GTA dollars au lieu de 3 890 000. Vous aurez aussi cette semaine l'Hydra en promotion à 2 550 000 GTA dollars au lieu de 3 millions. Cette semaine, pas mal de promotions chez Illitas Travel. On commence avec le Sea Sparrow à 1 089 000 GTA dollars au lieu de 1 815 000. Ensuite, le Sea Breeze sera en promotion à 595 000 GTA dollars au lieu de 850 000. On poursuit avec l'Alpha Z1 à 957 000 GTA dollars en promotion au lieu d'1 595 000. Ensuite, vous aurez l'ULM en promotion à 300 000 au lieu de 500 000. On poursuit avec le Vélum 5 places qui sera en promotion à 696 500 GTA dollars cette semaine au lieu de 995 000. Cette semaine, vous aurez en promotion tous les hangars de GTA Online, donc via Maze Bank of Los Santos Forecloser, bien évidemment. Donc par exemple, le hangar A17 de l'aéroport de Los Santos sera à 720 000 cette semaine au lieu de 1 200 000 GTA dollars. Bien évidemment, qui dit promotion pour les hangars dit aussi promotion pour tout ce qui est rénovation et amélioration d'intérieur de votre hangar. Donc voilà, vous aurez changé, vous aurez des promotions sur le style du hangar, l'éclairage, la décoration du sol, le mobilier du bureau, l'appartement et bien évidemment l'atelier, mais je ne peux pas vous le montrer.
On continue avec Dynasty 8 Executive, où cette semaine vous aurez les tout simplement les agences à nouveau en promotion. Donc là c'est pas une grosse promotion. Sur l'agence la plus chère, donc à Owick, elle passe à 2 122 500 au lieu de 2 830 000. Mais bon, si jamais ça vous intéresse et que vous n'aviez pas encore acheté d'agence, ou que vous débarquez peut-être sur GTA Online, on ne sait pas, et sur ma chaîne, bien évidemment, peut-être aussi, et ben sachez que c'est en promotion cette semaine. Bien évidemment, là aussi, si l'agence est en promotion à l'achat, les rénovations et améliorations de l'intérieur de votre agence sont aussi en promotion. Donc pour l'art, le papier peint, la peinture, l'armurerie, logement et atelier de véhicule, tout est en promotion cette semaine, logiquement. On passe maintenant aux activités de la semaine et on démarre comme chaque semaine avec les contre-la-montre disponibles sur le mode libre de GTA Online. Donc vous avez le contre-la-montre avec les véhicules normaux et cette semaine c'est du côté du canal d'évacuation. Il est à faire en moins de 38 secondes et 500 centièmes du côté de Cypress Flat. Non, j'arrête de parler aussi vite. J'ai craqué, pardon. Donc ce contre-la-montre, si jamais vous avez besoin d'un coup de main pour le battre, que vous n'arrivez pas à le battre, vous aurez un lien dans la description d'une vidéo, comme chaque semaine, avec tout simplement des conseils dans cette vidéo pour savoir comment le battre, avec quel véhicule et le meilleur chemin à prendre. On poursuit avec le contre-la-montre du RC Bandito cette semaine, à faire en moins d'une minute et 10 secondes du côté de Cano Vespucci. C'est donc le parc de Little Seoul. Et pareil, là aussi, vous aurez un lien dans la description d'une vidéo qui vous aide avec des conseils à battre ce contre-la-montre. On poursuit les news de la semaine avec les activités. Donc, vous vous rendrez dans le menu pause, en ligne, jouer activité, créé par Rockstar. Et dans courses, vous aurez toutes les courses d'avion en triple RP et triple GTA dollar cette semaine. Donc on est dans une semaine spéciale avion, visiblement, parce qu'il y avait pas mal de promos sur les avions. On a aussi les hangars en promotion. Probablement qu'on va voir ça dans la vidéo, mais il est probable que les hangars soient doublés aussi au niveau de la vente. Donc voilà, semaine spéciale avion, et cette semaine, toutes les courses d'avion sont en triple RP et triple GTA dollar. Toujours dans les activités cette semaine et dans les modes rivalité, vous aurez les activités, donc avec les 7 petites maps de les farces et des trappes qui seront en double RP et double GTA dollar cette semaine. Alors d'après Test Fun 2 cette semaine, les frettes aériennes, donc les ventes de marchandises aériennes avec le hangar seraient triplées et non pas doublées. Apparemment ils seraient triplés, alors ça c'est à confirmer parce que des fois il peut se tromper. Voilà, mais ce sera doublé ou triplé cette semaine en tout cas. Cette semaine sur GTA Online, sachez que les contrats de sécurité seront en double RP et double GTA dollar. Donc il faudra tout simplement vous rendre sur votre bureau dans l'agence, hein, du dernier DLC, le contrat, et tout simplement vous installer à votre bureau. Voilà, votre perso va taper le code et tout le bordel, hein, comme d'habitude. Et puis vous ferez, voilà, contrat de sécurité ici. Donc vous pouvez les sélectionner directement ici. Donc par exemple, en spécialiste, là c'est 96 500. Celui-ci en spécialiste plus 121 000 GTA dollars. Liquidation des actifs, là en professionnel 66 500. Donc là 121 000 en tant que récupération de véhicules, ça vaut vachement le coup. Donc voilà, les contrats en tout cas, quand ils sont doublés, faites-les parce que ça rapporte énormément d'argent. C'est pas des missions bien longues. Donc, franchement, profitez-en. Sachez aussi que au lieu de venir à votre bureau, vous pouvez directement en demander via le téléphone avec le numéro de Franklin dans vos contacts. Donc là, bon, il va pas répondre, mais voilà, sachez-le. Cette semaine, en vous rendant à l'aéroport de Los Santos, vous pourrez faire les missions d'école de pilotage qui seront en double RP et double GTA dollar cette semaine. Voilà, donc c'est ici, à l'escalier, vous vous rendez à la première entrée, je vous le montre. Normalement, vous avez le logo, même moi je l'ai pas, là je l'avais enlevé. Mais voilà, c'est ici. Donc voilà, si jamais vous l'avez pas encore fait, sachez que c'est doublé en GTA dollar et RP cette semaine. Cette semaine, en terminant un contrat de sécurité de l'agence, donc seulement en terminant un contrat de sécurité de l'agence, vous aurez la possibilité de gagner un item rare, qui est donc ce t-shirt Bravado, qui est donc un t-shirt logo des fabricants, dans les sections aux spéciaux. Et voilà, donc c'est celui-ci. Donc comme je vous l'ai dit, si vous voulez le récupérer cette semaine et que vous ne l'avez pas encore dans votre collection, sachez qu'il faudra terminer un contrat de sécurité de votre agence. Voilà les breakers, ce sera tout pour cette semaine. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le pouce du soutien, à dire ce que vous en pensez en commentaire de cette nouvelle semaine sur GTA Online. Quant à moi, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Tous les liens sont dans la description. Puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification si ce n'est pas encore fait et que vous découvrez la chaîne via cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à ce week-end pour un nouvel épisode de GTA Dream Cars. Le premier épisode, je vous mettrai dans la description si vous ne l'avez pas vu. Voilà, on parle de véhicules que j'aimerais voir sur GTA Online prochainement. Je vous souhaite une bonne fin de semaine à vous tous et un bon week-end. À très vite.
Ciao.